Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. Votre émission citoyenne, elle s'appelle Flash Talk et c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, cité des sciences et de l'industrie, 19e arrondissement, et on va parler du bio. Oui, le bio, les trois quarts des Français en consomment régulièrement, 12% tous les jours. Le marché a explosé ces dernières années. Aujourd'hui, on trouve du bio un peu partout, dans les magasins spécialisés bien sûr, mais aussi dans les grandes surface, mais le bio est-il toujours écolo? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la question qu'on va vous poser. Vous le savez, Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat. Bonjour à tous. Et on en discute évidemment autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk sur Twitter, en likant notre page officielle sur Facebook. Je vous parle des réseaux sociaux, mais je peux aussi vous parler de notre cartooniste. Et évidemment, c'est Mikaya que vous découvrez à l'antenne. Flash Talk, c'est la seule émission intégralement filmée au smartphone. Maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude. D'ailleurs, qui a envie de filmer l'émission ici autour du tapis? Qui? Allez, ce monsieur, bienvenue dans l'équipe, camarade, on adore cette chemise. Et puis, allez, mademoiselle, aussi, bienvenue dans Flash Talk. Alors, qui ici achète des produits bio ou a déjà acheté des produits bio ou achète des produits bio régulièrement? Bonjour madame, comment vous appelez? Françoise. Vous venez d'où, Françoise? De Haute-Normandie. De Haute-Normandie, exprès pour Flash Talk? Oui, bien sûr. On est très flattés. Alors, est-ce que vous consommez bio, vous? Oui, le plus possible. Le plus possible, ça veut dire quoi? Il se trouve que j'ai une santé qui fait que plus je mange naturel, mieux je me porte. Hein. J'ai entendu qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une arnaque et tout. C'est un peu facile de dire ça. C'est franchement facile, quoi. Parce que la vérité, c'est que si on observe bien la nature telle qu'elle est faite, toutes les substances qui sont rajoutées par les industries de l'agroalimentaire, les conservateurs, que ce soit les colorants, etc., notre organisme n'est pas conçu pour digérer et pour supporter ces molécules-là. C'est la raison pour laquelle, justement, elles sont à l'origine de tout un tas de maladies. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est la raison d'être du bio. Aujourd'hui. Alors, concrètement, où est-ce que vous faites vos courses et qu'est-ce que vous achetez bio? Déjà, j'ai pas des gros moyens. Donc, évidemment, c'est problématique. Je pense personnellement que prétendre systématiquement que le bio coûte systématiquement beaucoup plus cher, c'est un peu facile comme raccourci. Franchement, c'est pas vrai. C'est pas vrai autant qu'on le dit, en tout cas. Bon, déjà, premièrement, le but de la manœuvre aussi de l'industrie, des gens qui fabriquent ces adjuvants, etc., c'est quand même de s'en foutre plein les fouilles. D'accord? Bon, donc je veux dire, le petit jardin... Vous achetez dans les magasins spécialisés ou dans les grandes surfaces? J'achète une partie dans les grandes surfaces et une partie dans les magasins spécialisés aussi. Je n'achète quasiment jamais de produits tout préparés. Enfin, je dis quasiment parce que là, je viens de manger. J'ai flashé sur un petit truc de fraise Tagada. Faut pas le dire. Alors, qui d'autre ici achète et consomme bio? Bonjour mademoiselle, comment vous appelez? Je m'appelle Manon. Manon, vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans. Alors, vous faites vos courses, Manon? Non, c'est mes parents. D'accord. Mais on achète du bio beaucoup, comme par exemple des biscuits, des jus, les légumes aussi. On essaie d'acheter le plus bio, mais ça reste très cher quand même. Donc on va pas tout acheter bio. Pour vous, c'est forcément bon pour la planète d'acheter bio? C'est mieux. C'est mieux? Oui. On va voir si tous nos invités aujourd'hui sont d'accord avec ça, Rafal. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, vous l'avez vous-même constaté, le marché du bio a explosé ces dernières années, même si j'entends derrière moi, oui, le prix des fruits, des légumes sont un petit peu chers. Justement, on va se poser autour de quelques chiffres, de se fixer. Voici le Data Flash de Juliette Jean. Le marché du bio français explose. En 5 ans, la production a doublé de volume. Le bio, c'est maintenant 7,5% de la surface agricole française. Car la demande est forte. En 2018, près de 9 Français sur 10 ont consommé des produits biologiques. Pour les trois quarts d'entre eux, une fois par mois. Et pour 12%, c'est tous les jours. Qui sont les adeptes du bio? Vu les prix élevés de ces produits sans pesticides, c'est sans surprise les CSP+ qui en raffolent. Et notamment les Franciliens et les Bretons. 77% d'entre eux en consomment au moins une fois par mois. En revanche, en Normandie et dans les Hauts-de-France, les habitants boudent globalement les produits bio.
Douterait-il de leur aspect écolo? Selon une étude du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le bio émettrait plus de gaz à effet de serre que l'agriculture conventionnelle. En cause, le faible rendement du bio, qui nécessiterait d'utiliser plus de terres que l'agriculture conventionnelle. Alors le bio est-il si écolo? On va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec Florent Gull, qui est avec nous aujourd'hui, directeur de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence Bio. Est-ce que quand c'est bio, c'est forcément écolo? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot écolo. On entend souvent, par exemple, dire qu'il y a une question autour de, des produits bio qui peuvent être très emballés ou des produits bio qui peuvent avoir beaucoup voyagé. Donc, la question, si je consomme mon alimentation pour avoir une démarche écolo, oui, ça inclut beaucoup de choses. Par exemple, si vous allez chercher un kilo de tomates et que vous prenez votre voiture pour aller l'acheter, vous avez perdu évidemment tout l'intérêt de la démarche. Sur l'exemple que je donne, on voit bien que bio ou pas bio, ça ne change rien. Il faut bien se dire qu'on va aller globalement vers consommer davantage local, consommer des produits de saison. Et effectivement, c'est encore mieux si ces produits-là, ils sont bio. Mais c'est un ensemble. Vous parlez du paradoxe de la labellisation. Il y a un cahier des charges qui est public, qu'on peut aller regarder. Il est contrôlé sur place au moins une fois par an, en moyenne même une fois et demie par an, chez l'agriculteur, chez le transformateur, etc. Mais il ne garantit que ça. Il n'y a pas plus que ce qu'il y a dans le cahier des charges. Vous pouvez très bien, effectivement, encore une fois, avoir un produit bio qui vient de loin. Alors sur certains produits, quand c'est des fruits exotiques, du café, du sucre, on comprend bien. Quand c'est pour manger des tomates au mois de janvier, là, effectivement, il y a sans doute à se reposer la question, est-ce que c'est ça que je dois faire ou est-ce que je dois faire autrement en tant qu'individu, en tant que consommateur? Est-ce que ça consomme bio de ce côté? Bonjour, c'est quoi ton prénom? C'est Doma. Où est-ce que tu vis? Le Parc 13e. Bon. Est-ce que toi-même, tu consommes bio? Tu achètes bio? J'ai acheté des fruits, des légumes bio. Tu as toujours acheté bio. Est-ce que tu achètes des fruits exotiques? Oui. Bio aussi? Des ananas, oui, des fruits de la passion. Le fait qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils aient pris l'avion ou peut-être le bateau pour venir, je ne sais pas, est-ce que ça te gêne? Pas du tout. Donc ta consommation bio avant peut-être les émissions de gaz à effet de serre? C'est entendu, c'est aussi son avis. Je vais poser la question à une journaliste réalisatrice qui nous fait le plaisir d'être autour de notre tapis. C'est Marie-Monique Robin, auteur du Monde selon Monsanto, une enquête sur le géant mondial des OGM. Alors, en un mot, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Là, on parle beaucoup du bio, le bio. Alors, c'est les produits bio. Moi, je préfère parler de la bio, parce que la bio... Il faut faire une différence. Moi, je la fais parce que... La bio comme on a des élèves de collège, la biologie, c'est ça? Oui, mais je veux dire que c'est un système, l'agriculture biologique. Si c'est uniquement manger des produits qui n'ont pas de pesticides, c'est très bon pour la santé. Vous l'avez dit, j'ai fait un film et un livre qui montre que les résidus de pesticides qu'on trouve sur les aliments sont responsables d'un grand nombre de maladies. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Il faut penser circuit court, manger local et de saison. Moi, je mange tout bio chez moi. Allez, 99%, d'accord. Et c'est pas plus cher finalement si on s'organise autrement que de manger pas bio, à condition de manger moins de viande, par exemple, et moins de poisson. On arrive à équilibrer. On va dans des endroits, des marchés, enfin, etc. Moi, j'habite à Saint-Denis, donc j'ai un grand marché, et puis j'ai une AMAP, j'ai mon petit jardin bio, enfin, etc. Mais je veux dire. Une AMAP, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est? Une AMAP, c'est une association de. Pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, pour le maintien de l'agriculture paysanne. Là, il nous donne à manger toutes les semaines un panier. On paye à l'avance, ce qui fait que lui, il peut travailler dans de bonnes conditions. Et puis tous les intermédiaires, là, qui s'en mettent plein les poches, comme a dit madame, eh bien, les intermédiaires, ils gagnent moins, et c'est le producteur qui gagne plus, et nous, on paye moins, vous voyez. Enfin voilà, c'est ça l'idée. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'achète pas de tomates en hiver, évidemment. Même parce que ça pousse pas en hiver. Non, parce que ça vient d'Espagne, dans des serres et tout, et c'est pas bon pour la planète. Voilà. Il faut réfléchir tout cet ensemble. Et donc, c'est pour ça, c'est ça l'agroécologie, en fait. Mais alors, qu'est-ce que tu dis à cette dame qui était là et qui est très sympathique et qui nous dit oui, mais moi, j'ai envie de manger mes ananas bio, mes fruits de la passion bio, non. Même s'ils viennent d'ailleurs. Hein, Non, mais il y a des distinctions à faire. Moi, je pense qu'on peut continuer à faire du commerce pour des choses qu'on n'a pas chez nous, d'accord? Le problème aujourd'hui, c'est que tout se balade dans tous les sens et qu'on n'est pas obligé de faire balader les blue jeans, vous voyez, tu vois. Mais moi, je continue de manger, j'adore les mangues, je continue d'acheter des mangues, mais j'achète pas des tomates parce que je sais que les tomates, elles peuvent pousser chez nous dans une autre saison, tu comprends? En résumé, l'agroécologie, c'est ça, c'est-à-dire c'est à la fois manger des aliments sains qui sont bons pour la santé, il n'y a pas de saloperie dedans, mais en local, pour que les agriculteurs qui produisent nos aliments puissent vivre dignement de ça et sans transporter les aliments. Parce que tu sais, aujourd'hui, l'Union européenne a calculé qu'un aliment acheté dans un supermarché, par exemple un légume, voyage en moyenne 2800 km.
T'imagines ? C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est 4000 km en Amérique du Nord. C'est-à-dire que quand tu manges... Je n'ai même pas ça moi-même dans l'année. Bah oui, mais quand tu ne manges pas bio et local, ça veut dire que tu participes au réchauffement. Mais alors, est-ce que tu as ce discours-là ? Mais est-ce que toi-même, tu vas acheter dans les super ou les hypermarchés ? Non. Je privilégie le commerce local et la production locale. J'encourage la production locale et on a une carte bancaire qui est plus efficace qu'une carte d'électeur parfois. Hein, vous voyez, on peut orienter des choix comme ça. Et donc, tout ce qui est aliments que je consomme tous les jours, c'est, je ne vais pas au supermarché. Bon, on vous dit la vérité puisqu'on vous dit tout dans Flash Talk. On aurait eu envie d'avoir un représentant, une représentante des super ou des hypermarchés ici autour de notre tapis pour pouvoir répondre peut-être à ce que toi tu nous dis. Et on les a invités. Une l'après l'autre, même en même temps, et aucune n'a voulu venir aujourd'hui. Au moins, c'est dit. Florent Gull, vous, quel regard vous portez sur cette question ? Est-ce qu'on peut acheter bio et dans un super ou un hypermarché ? On voit, on a tous pu observer depuis quelques années, quelques mois maintenant, que les rayons bio des hyper se sont beaucoup étoffés. Est-ce que ça reste compatible, du point de vue de la planète, d'acheter bio dans un hyper ? Alors vous avez raison d'abord sur le poids, puisqu'aujourd'hui la moitié des produits bio consommés par les Français, ils les achètent en supermarché et sur un marché qui n'est quand même pas si énorme que ça. En France, il faut avoir peut-être des repères, moins de 5% de l'alimentaire des Français sont des produits bio. Alors est-ce qu'on peut acheter dans des supermarchés ? Après c'est des choix qui regardent tout un chacun. En tout cas, on sait que l'avantage du supermarché, c'est l'accessibilité. Il y a beaucoup de zones en France où il n'y a pas encore de magasins bio, d'AMAP, etc. à proximité. Donc souvent, les consommateurs découvrent les produits bio par les supermarchés, ça c'est vrai. Après, on voit réapparaître des commerces de proximité, notamment par les produits bio, mais pas que. C'est beaucoup pour l'instant dans des centres de grandes villes, mais ça commence aussi à être vrai à la campagne. Et tant mieux, parce que derrière, il y a un vrai sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est celui du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on dit que dans des pays comme la France, plus de 30% des produits sont jetés, avec une partie importante qui est jeté à la maison. C'est-à-dire qu'on achète, on remplit son frigo, on remplit son placard, puis au bout d'un moment, la date de péremption est passée, et puis on va jeter un produit. C'est vrai que ce modèle de consommation, il est en train de bouger, tant mieux. La question du gaspillage alimentaire, tiens, je voudrais profiter du fait qu'on a des jeunes aujourd'hui avec nous dans Flash Talk. Bonjour mademoiselle, quel âge vous avez ? J'ai 12 ans. 12 ans ? Et vous êtes en quelle classe ? Là, je suis en cinquième. La question du gaspillage, toi, est-ce que ça te concerne ? Est-ce que ça vous arrive à la maison de jeter des choses dans le frigo et quand même ça fait mal au cœur ? Ou est-ce que vous essayez de faire attention ? Non, mais nous, souvent, on achète des choses qui vont peut-être se périmer dans 2 semaines et du coup, on les mange vite et non, on n'a pas à jeter. Bon, tu restes avec nous et puis tu continues d'écouter les discussions ? On se balade toujours ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On est à Paris dans le 19e arrondissement. Pas mal de choses aussi se passent sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Il y a Donald Trump qui nous dit « Je vais au supermarché, j'échange des produits bio sous emballage plastique et des produits sans emballage, mais pas bio. Est-ce que vous voyez le problème ?» Ou encore Sean Connery qui nous dit « C'est que maintenant, vous vous en rendez compte, le bio fut la plus grosse supercherie marketing du début du siècle. Il ne marche que grâce à vos discours d'écolo boboisé. » Tout le monde a son avis, tout le monde peut le donner avec le hashtag Flash Talk. Et puis ici aussi, dans notre balade. Bonjour monsieur, comment ça va ? C'est les caméras de Flash Talk, peut-être que tu connais l'émission, ça va ? C'est quoi ton prénom ? C'est Ibrahim. Ibrahim, bon, Ibrahim, aujourd'hui on parle du bio, on en débat juste là-bas. Est-ce que pour toi, est-ce que tu consommes bio ? Ouais, je consomme bio, ouais, je consomme bio de temps en temps, ouais. De temps en temps, pourquoi pas tout le temps ? Parce que les produits bio sont épaisseurs et de deux, j'arrive pas à trouver partout. Ah, t'arrives pas à trouver du bio partout ? C'est pas partout qu'on trouve du bio, ouais. Où est-ce que tu fais tes courses, toi ? Par exemple, j'ai fait mes courses, moi, sur Auchan, particulièrement. Ouais. Sur Auchan. Est-ce que le bio, c'est du vrai bio tout le temps, selon toi ? Pour moi, oui. Pour moi, du moment où c'est signifié bio, je considère que c'est bio, parce que je considère que derrière, c'est contrôlé aussi, la qualité doit être contrôlée. Donc, tu fais plutôt confiance au circuit ? Exactement, oui. C'est entendu. Merci beaucoup de nous avoir donné ton avis. Et puis, n'hésite pas à nous rejoindre, évidemment. Et on revient sur le tapis avec Samuel Gérard, gérant de magasin bio à Vincennes, en région parisienne, et membre de l'association Bio Consomme Acteur. C'est quoi être consomme acteur ? C'est privilégier d'abord l'achat des produits locaux ? Oui, des produits locaux, des produits de saison, des produits sans emballage. Des produits issus de circuits aussi plus coopératifs, plus participatifs, où on a l'assurance que derrière, c'est des structures qui ne vont pas forcément rémunérer des actionnaires, qui sont des structures qui prennent en compte la voix des consommateurs ou des salariés. Et pour vous, consommer bio, ça ne suffit clairement pas ? Non, ça ne suffit pas. C'est la première marche de l'échelle. La condition nécessaire, mais pas suffisante ? Tout à fait. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Ouais. Et comment on consomme bio et écolo ? On consomme bio et écolo, par exemple, en consommant moins de viande, déjà.
puisque, je sais pas, apport protéinique équivalent entre 1 kg de bœuf qui va produire 18 kg de CO2 et puis 1 kg de lentilles qui va en produire 200 grammes, bah, clairement, l'impact, il est énorme. Donc, consommer plus végétal, c'est déjà la première étape. Ensuite, c'est effectivement consommer des choses en vrac. C'est prendre son petit tote bag, prendre ses petits sacs en coton et puis aller voir ses commerçants de quartier ou aller sur les marchés et dire, bah voilà, non, je veux pas votre sac en papier, je veux pas votre sac en plastique. Moi, je mets ça dans mon tupperware et j'adopte une vie zéro déchet, par exemple. Comment on fait quand on roule pas sur l'or et qu'on a envie de consommer des produits bio? Vous l'avez entendu depuis le début de l'émission. Le prix, en particulier des fruits et légumes, ça peut représenter un frein pour un grand nombre de personnes? Pas forcément. Quand on regarde les prix aujourd'hui dans les magasins bio ou sur les marchés, les produits bio ne sont pas beaucoup plus chers que ceux vendus en distribution. Par contre, c'est une idée reçue pour vous? Aujourd'hui, consommer bio, c'est consommer un juste prix, en fait. C'est plus se poser la question, est-ce que le produit est trop cher pour moi? C'est est-ce que le produit est à un juste prix par rapport à son impact sur l'environnement? Parce que derrière, il y a tous les coûts cachés dont on ne parle pas. Où on parlait des maladies qui sont induites par les produits non bio. Eh ben, ces maladies, derrière, c'est nous qui les payons après dans nos cotisations pour l'assurance sociale, par exemple. C'est nous qui les payons dans nos cotisations pour dépolluer l'eau. Aujourd'hui, si on consomme bio, on dépollue les nappes phréatiques. Et derrière, eh ben, c'est autant qu'on aura moins à payer pour dépolluer ces nappes phréatiques et pour consommer de l'eau du robinet. Aujourd'hui, dans notre magasin, par exemple, on ne vend pas d'eau en bouteille. C'était notre produit le plus vendu. On a décidé d'arrêter ça. Ah, c'était le produit le plus vendu? Oui. Et on a pris la décision tous ensemble, comme on est une coopérative de magasins, une coopérative de consommateurs, une coopérative de producteurs. On a dit on arrête l'eau en bouteille parce que écologiquement ça n'a aucun sens et il faut que les gens se mettent à consommer de l'eau du robinet et qu'en consommant bio, on arrive à nettoyer les nappes phréatiques et du coup à avoir une consommation qui soit moins polluante et plus écolo. Merci Samuel beaucoup. Nous parle d'un prix juste, d'un prix équitable, sous quelques applaudissements du public d'ailleurs. Peut-être que j'ai parlé trop vite et que je vous ai coupé, je ne sais pas, dans votre élan, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on va voir ce qu'en pense notre public ici. C'est quoi ton prénom? Lino. Lino, tu vis où toi? Avignon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, je suis toujours étudiant en première. Ah bah, on t'a déjà entendu, c'est ça? Non. Ah pardon, il a dit je suis toujours étudiant en première, comme s'il habitait ici depuis le départ, je ne sais pas. Est-ce que toi-même tu consommes bio? Ça dépend, surtout local. En tout cas, plus local que bio. Toi, tu fais bien la différence. Ouais, c'est ça. Tu trouves ça normal de payer plus cher? Tout à l'heure, Samuel, justement, parlait d'un prix juste, d'un prix équitable. Est-ce que ça résonne, toi, dans ta tête de consommateur? Pour moi, c'est logique que ça soit plus cher parce que si jamais c'est des producteurs locaux, ça veut dire qu'ils vont devoir produire sans pesticides. On leur fait confiance par rapport à ça. Et s'il n'y a pas de pesticides, dans ces cas-là, c'est moins à la chaîne. Donc, c'est plus cher parce qu'on doit plus les rémunérer. L'idée fait son chemin. Merci, camarade d'Avignon. Je me trouve aux côtés d'Anouk Barka, qui est paysagiste de métier et fondatrice d'une AMAP. On en parlait tout à l'heure. Vous pouvez un petit peu nous réexpliquer le principe? Oui, c'est un groupe de consommateurs. Je fais un clin d'œil à Samuel, puisque c'est un groupe de citoyens qui décident de se réapproprier des choix de consommation. Donc l'AMAPien, il va décider qu'il a envie de mettre dans son corps des produits sains. Il a également envie de mettre dans son corps des produits dont il sait d'où ils viennent, par qui ils ont été cultivés. Qui sont de saison, donc dont le paysan n'est pas loin, pas trop loin de lui. On est totalement solidaire de ce qui lui arrive. Et ça, c'est super important. Je me connecte avec celui qui me nourrit. D'accord ? Ça, c'est important parce que finalement, si on vit dans une ville, on peut être totalement déconnecté de ce qu'on met dans son assiette. On ne sait pas comment ça a poussé, on ne sait pas qui l'a fait pousser. Et donc, on ne peut pas être solidaire. Donc, quand il y a une pénurie de blé parce que la météo a été très mauvaise, finalement, moi, dans le supermarché, je ne le ressens pas. Quand il y a une pénurie de lait ou de beurre, ou qu'il y a des problèmes comme ça, je ne le ressens pas puisque je vais quand même continuer à trouver du beurre. Mon paysan, quand il est inondé, quand il reçoit de la grêle, quand il fait très chaud, quand il a planté, qu'il y a une canicule, je sais qu'il a perdu des rangées entières de tomates. Je sais que c'est dur pour lui. Je sais que je ne vais pas avoir ça dans mon panier cette année et je sais pourquoi. Et donc, je suis connecté au climat sous lequel je vis. Et voilà. On profite de ce flash talk pour embrasser, envoyer de l'amour à nos paysans en métropole et dans nos outre-mer également, puisqu'il est beaucoup question de leur travail aujourd'hui, hein, s'ils ont encore le temps de regarder l'émission évidemment, et d'agriculture aussi. On va en parler avec Jacques Capla. Ça va Jacques? Ça va très bien. Bon, Jacques, toi tu es agronome et anthropologue et administrateur de Biocohérence. On va parler un peu de méthodes d'agriculture, notamment d'hydroponie, une méthode qui permet d'optimiser l'espace et qui se généralise à vitesse grand V. Tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est? L'hydroponie, c'est le fait de cultiver dans du coton pratiquement, enfin sans sol, sans terre, et simplement en apportant des engrais directement et de l'eau à la plante pour qu'elle pousse. Ça, c'est pas du tout la logique de la bio en fait. Même si on ne met pas de produits chimiques, ça reste contradictoire avec la bio.
Et tout ce qui va être serre chauffée, tout ce qui va être élevage de très grande taille, etc., si on conçoit la bio comme juste une agriculture sans chimie, ça serait possible. Or, ce que nous, on dit à Biocohérence, ce que disent les mouvements bio à travers le monde, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'enlever la chimie. Il faut changer toute l'agronomie. Et si on change toute l'agronomie pour la remettre en cohérence, ben on arrive à ce qu'évoquait Samuel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que ça coûte moins cher pour l'ensemble de la collectivité de payer des agriculteurs pour être en bio que de payer la dépollution. Donc en réalité, si la bio se développait à grande échelle, l'alimentation coûterait moins cher en bio. Je voudrais te montrer une photo et je vais en profiter aussi pour vous la montrer, les amis. Là, on est sur, je pourrais dire presque une usine d'agriculture intensive. On est sur du non-bio, on est hors sol aussi. Ça réverbère la lumière tellement rouge que ça en est à embêter et à gêner les riverains. Donc, on imagine bien, est-ce que ce genre d'usine comme ça, est-ce que c'est l'avenir, ça pourrait être l'avenir de l'agriculture bio, mais intensive? Ce qu'on voit dans l'image là, c'est vraiment aberrant. Là, on est vraiment dans une logique où on gaspille l'énergie, donc on n'est pas du tout efficace d'un point de vue agronomique. L'agriculture, il ne faut pas oublier, c'est fait pour nous donner à manger. Et on mange pour récupérer de l'énergie, parce qu'on ne sait pas la prendre dans le soleil. Les plantes la prennent dans le soleil, pas nous. Donc le but de l'agriculture, c'est d'optimiser de l'énergie solaire. Là, des serres chauffées comme ça, c'est le fait de chauffer en nuit qui fait cette lumière, c'est complètement aberrant d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que c'est pas rentable. C'est moins efficace que la chasse et la cueillette en termes de bilan énergétique. Ça va plaire aux grandes surfaces, éventuellement, mais on n'est plus du tout dans une logique d'adaptation au territoire, d'adaptation aux paysans, d'adaptation aux consommateurs, aux sociétés, etc. Il y a quelques années pour passer en bio pour les agriculteurs, au sens du règlement européen, avec ses imperfections, mais c'est déjà très bien. Et puis ensuite, ils peuvent aller encore plus loin. Ils peuvent décider de ne plus avoir moins d'animaux dans les fermes, d'avoir des élevages de volailles plus petits. Dans ce cas-là, ils vont adhérer à Biocohérence, Nature et Progrès ou d'autres marques. Est-ce que si on adhère, on a le pull aussi en cadeau, le même pull que toi? Alors, je pose la question. Là, il faut non seulement adhérer, mais il faut aller donner plein de cadeaux à ma maman. Et à ce moment-là, elle pourra vous en profiter aussi. Merci Jacques, merci beaucoup. Et Marie, Monique, Robin, je vous ai vu acquiescer à tout ce qui vient d'être dit, mais j'ai quand même une question. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut, à l'avenir, nourrir les 10 milliards d'habitants que va contenir cette planète en 2050 avec une agriculture 100% sans engrais chimiques? Est-ce que c'est possible? Déjà, il faut dire qu'avec les pesticides, on ne nourrit pas l'humanité. Je rappelle qu'il y a 900 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. On a investi des milliards dans l'agriculture industrielle et chimique. Ça ne marche pas. Et non seulement on a 900 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim à cause de ce modèle agricole chimique, mais on a 1 milliard 300 millions qui sont obèses. On peut être mal nourri aujourd'hui sur cette planète et obèse à cause de tous ces produits chimiques qui contaminent notre chaîne alimentaire. Alors arrêtons de dire qu'on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, alors que déjà on ne le nourrit pas avec, et c'est un énorme échec. Et les jeunes, là, vous m'avez entendu, c'est meilleur pour votre santé si vous mangez bio et vous mangez local et pas des produits transformés. Donc vous cuisinez, c'est super de cuisiner parce que ça fait plaisir, tu vois. Eh bien, vous ne serez pas obèse, vous n'aurez pas de maladies graves comme il y a en ce moment partout. Et donc, c'est vraiment un bel enjeu. Et en plus, eh bien, on arrêtera de dérégler le climat parce que l'agriculture industrielle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle contribue largement au dérèglement climatique. Voilà. Ça vous donne envie? Oui. Oui. Et toi aussi, tu penses que c'est beaucoup mieux? Oui. Oui. Tu es convaincue? Oui. Elles sont convaincues. On se balade toujours du côté de cette cité des sciences et de l'industrie ici dans le 19e arrondissement de Paris. Et puis je vais regarder un peu si j'arrive à faire une place qui se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Il y a par exemple Sophie Kraftly qui disait « C'est bon de voir que le bio-écolo se démocratise. Il faut absolument que je passe ma première commande. » Personne n'a un code promo par hasard. Morehouse Plus nous dit « Le bio est une arnaque et pas plus écolo que le reste. Il pourrait être même l'être moins. » Ou encore De Quenel Fennec qui nous dit « C'est vrai que l'écolo, c'est comme le bio, c'est porteur. Donc il faut avoir le logo sur sa liste. C'est vendeur. C'est vendeur comme lui. Regardez, Mikaya. Comment ça, Mikaya? Mais très bien, même si je réalise que mes feutres sont très, très chimiques. Oh là là, mais il n'y a même pas un petit autocollant. C'est pas certifié AB. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Bah, sinon, ça ne va pas m'empêcher de dessiner. Je suis remonté finalement à la genèse écologique. J'ai imaginé Adam et Ève qui est en train de...
proposer un fruit à Adam étonné et lui dit « Tu devrais en manger pendant qu'il est encore bio. » Oh, c'est subtil. Un autre dessin, Mikaya. On s'est posé une question fondamentale. Est-ce que le bio est écolo? On a parlé du label AB et certains sceptiques. Alors, il y en a un qui dit « Le label AB, vous êtes sûr que ça ne veut pas dire arnaque balèze ?» Oh là là, caricature celui-ci. Un dernier dessin pour conclure l'émission. Oui, parce qu'on fait beaucoup d'efforts et je pense qu'il faut le faire pour éviter cette situation où, j'imagine en France 3020, un musée des fruits et légumes disparus, il y a une pomme bio et un gamin qui dit à son père « Dis papa, ça veut dire quoi bio ?» Et lui qui dit « Beau, je crois que c'était un truc pour dire que c'était bio coût trop cher. » Oui, Mika, comme d'habitude, très optimiste parce que je suis pas sûr qu'on a jusqu'en 3020, tu sais. C'est ma force, l'optimisme, c'est ma force. Vous pouvez applaudir très fort notre cartooniste Mikaya, s'il vous plaît. Et on va laisser le mot de la fin au directeur de l'agence bio qui est toujours avec nous, Florent Gull. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez de produits bio en France pour répondre à la demande qui augmente. Aussi, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? On a de plus en plus d'agriculteurs en France qui passent en bio. Pour vous donner un repère, on vient de franchir une barre un peu symbolique. 10% des agriculteurs français, on sait que l'agriculture française, c'est là qu'il y a le plus d'agriculteurs, par exemple, en Europe. C'est la France qui est le pays agricole le plus important. Bah, 10% aujourd'hui des agriculteurs français sont en bio. Donc c'est énorme, ça se développe d'année en année. L'année dernière, plus de 6000 nouveaux agriculteurs bio dans toutes les régions de France. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir manger de plus en plus du bio local, du bio français. Et c'est ça la très bonne nouvelle. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui dans Flash Talk Rafale. Et merci aussi aux classes qui nous ont rejoints autour de ce tapis. Une classe de Montreux, vous pouvez vous applaudir, classe de La Haye les Roses, une classe d'Avignon également. Merci d'avoir fait le chemin jusque-là. Allez, merci encore, à très bientôt pour de nouveaux débats citoyens dans Flash Talk, toujours. Salut sur France Talk. Les enfants, je vais vous parler là. C'est pas vous qui avez abîmé la planète, on le sait, d'accord? C'est un peu nous et pas mal nos parents aussi. On en est désolés. On peut réparer aujourd'hui et on sait comment réparer. Et c'est quand même pas mal vous qui allez devoir vous coller à ce boulot-là. Et moi, je vous considère un peu comme des bébés Jedi. Donc faut y croire. Et vous êtes les Jedi de demain, donc on va essayer de vous donner les outils. Mais vous prenez bien vos épées et vous y allez. Parce que c'est dans vos mains maintenant, ok? Donc l'étoile noire, vous avez vu, à chaque fois, ils arrivent à la dégommer.